Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va tout simplement aller chercher un petit peu de pierre cette fois-ci. Bon, rien de bien méchant, hein. Donc juste pratiquement quelques gros kilos. Donc attendez, je m'installe bien. Je vais tout simplement me faire quelques coffres si j'ai cette possibilité. Je vais m'en faire quelques-uns. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça je pourrais tout simplement déstocker certaines choses. C'est ce que j'aurais dû faire un peu avant. Donc ici je peux mettre soit un escalier, ce qui va être intéressant, oui et non. Ou je peux sauter directement, on va voir. On s'embête pas. Voilà, on peut faire ça comme ça. Ce qui sera déjà beaucoup plus potable. Oui, donc après on va essayer tout simplement de s'aménager un petit coin assez sympa. Ce qui est embêtant, c'est que là, faudra vraiment faire attention de pas non plus perdre tous ces trucs-là. Donc, le premier coffre est là. Comme ça, je vais déstocker pas mal de choses. Hop, 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 hop. En fait, je m'installe vraiment comme si je suis dans une vraie maison, quoi. Un truc joli, quoi. J'essaie de faire aussi un truc esthétique. Donc, ça, j'en ai pas l'utilité. J'en ai pas l'utilité. Ça non plus. Ça, on va le faire cuire dans pas longtemps. Le tissu, celui-là, on va le mettre là. Pareil. Là, on va tout simplement mettre un peu de graisse animale. Donc, ça, c'est bien parce que ça, c'est bien rempli quand même. Hein. Donc, voilà. Ce que j'aurais plus besoin, c'est d'une porte. C'est d'un feu. La torche, on la garde pour après. On sait jamais. Ça peut toujours servir, en fait. Champignons. On peut les manger ou pas? Je suis pas sûr. Tu vois, on peut les manger. Ça dépend, en fait. Bah, c'est déjà pas mal, quoi. Donc le feu, je le ferai plus tard un peu là-haut. Donc ça, le deuxième, l'autre coffre. Attends, je vais bien le mettre juste à côté. J'essaie de faire quand même un truc joli, joli, joli. Parce qu'après, les petits, je m'en fous, je les laisse là. Voilà. D'autres coffres, je vais les mettre vers là. Dans le passage, ça va pas forcément gêner, je pense. La porte, voilà. Comme ça, elle est bien installée. Ah, les poteaux par contre ici au secours hein. Voilà. Voilà la connerie du jeu quoi. Mets des poteaux en plein milieu et du coup tu peux plus rien installer. Aïe 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 aïe. Il y en a franchement qui vont nous sortir des conneries encore. Bon pour l'instant dites-vous bien. Mieux vaut avoir ça que rien du tout. Bon j'ai du bois ou pas? Est-ce que je peux confectionner une autre petite non ça il en manquera. Ah je suis bloqué un peu. Moi j'habite ici pour l'instant. T'as vu c'est joli. Bon, allons couper du bois et de la pierre. Eh oui, eh oui. Donc, j'ai un peu de pioche. La pioche, elle est presque pétée, donc faudrait vraiment que je commence à faire attention parce que mon hache et ma pioche sont quasiment en train de lâcher. Et vous voyez comment ça s'épuise super vite? Ça y est, bientôt, on va tirer le shpink. Voilà, ça y est, elle est foutue. Donc, il me manquera... Ah ouais, d'accord. Un peu de pierre. Allons chercher la pierre, c'est la priorité. Donc on a eu de la chance quand même que le tissu... c'était quelque chose qu'on avait à portée de main. Parce qu'avant, franchement, pour chasser, accroche-toi. Donc, il me manque les fameuses pierres. Toi, tu t'installes là, t'es tranquille. Mais bon, le problème, c'est qu'ils vont t'attaquer par le toit. Donc à moi de savoir où j'habite aussi. Donc c'est jamais évident. Donc tout simplement je fais un petit tour par là-bas. Ok parfait. Cassons la pierre. Bon les pierres il en faut 300 limite. Ouais je sais pas combien. Je dirais il faut au moins allez, 10 tonnes quoi. Il y a de quoi s'éclater. Hein. Ça va être le moment le plus joyeux du jeu, quoi. Ramasser de la pierre. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas partout de la pierre. C'est ça la grosse connerie qu'on va avoir. Donc là, ça, c'est vide, hein. Il n'y a plus rien.
Ouais, je ramasse un peu tout, hein. Comme ça, j'essaie de faire des stocks et après, ça nous évitera de revenir les chercher à exprès. On peut soit l'attaquer ou soit on s'embête pas à nous voir en fait, hein. Ah, elle va s'enfuir en moins de deux, ça sert à rien. Tiens, je vais essayer de faire la hachette. Voilà, hop. Ouais, hop. Comme ça, les deux bossent en même temps pendant que je coupe des pierres. Et ouais, donc ça va être assez chiant. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'on vient de casser les dents en même temps. Donc je patiente, heureusement que j'ai lancé les dents en même temps. Donc après, les réparer, c'est sympa, mais il faut une table, hein, de réparation. On la fera un peu plus tard. Voilà, on reprend le truc. Encore un peu. Donc j'en ai repéré encore 3-4 comme ça. Donc c'est bien parce qu'elles sont juste à côté, donc ça me permettra de pouvoir avoir de la pierre plus facilement. Après il faudra s'éloigner dans des régions un peu plus polaires, etc. Il va cailler, donc il faudra que je m'achète des vêtements, que je m'équipe en vêtements. Par contre il y a beaucoup plus de soufre qu'autre chose. On peut constater c'est qu'il y a très peu de pierres en fait, hein, sur les pierres en question. T'as beaucoup plus de matière autour. Parce que pour avoir de la pierre... apporte 500 je crois de pierre en fait, une pierre comme ça, je suis pas certain, ça dépend en fait, c'est assez aléatoire, mais t'en as pas tant que ça, hein. Faut que tu sois rempli à ras-bord. Comme ça on va essayer tout simplement de pouvoir finir cette maison rapidement dans le deuxième épisode. Bon, elle est un peu grande, hein, c'est fait exprès, hein. En tout cas j'espère faire le principal très rapidement. Voilà. Donc on recourt, c'est un peu plus loin l'autre pierre. Je regarde si on n'a pas d'autres encore, je pense pas. Oh, c'est chiant. On n'a pas tant que ça en fait, hein. Dommage franchement que tu peux pas démolir les gros rochers, c'est ça que j'aurais adoré en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut que je fasse des gisements plus tard. Des gisements de pierre et tout, parce que là franchement ramasser de la pierre comme ça, c'est assez chiant. Je trouve le moyen comment faire les gisements. Mais bon, tout le monde commence de cette façon dans un premier temps. Alors le gisement. C'est les trucs qui tournent un peu partout, j'ai pas les plans comme par hasard. Non. Non, j'ai pas les plans. Ah, faut trouver les plans pour les gisements. Ouais, parce que là je les ai pas du tout. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. De toute façon, faudra que je chasse aussi. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux chasser? Parce qu'il me faudra de la graisse animale pour le four. Ah justement, il y a un cochon là-bas. Ça tombe bien. C'est pas un cochon, mais un petit bison, quoi. Au moins, on va pouvoir peut-être le faire un petit peu flipper. Il va se retrancher dans un petit coin et je vais essayer de l'attaquer pour le tuer. Encore un peu. Voilà. Je vais sélectionner maintenant ma petite lance. Ouh là là, c'est quoi ça? J'attends un peu parce que si c'est l'ours, moi je me sauve. Ah, c'est bien parce qu'il est bien caché. Bon, tant pis, on va tuer les deux là. On dirait que c'était l'ours. Il faudra vraiment que je me fasse la petite. Tu vois, ça rapporte pas pareil en fait. Hein. Il reste animal si ça va. Je pense que c'était l'ours en face. Hein. Je suis pas certain. Hein. Mais ça m'a l'air. Ça m'a l'air. Attends. Ah non, c'est pas l'ours. Ah, coup de chance. Coup de chance que c'était pas l'ours. Ça, c'est le meilleur truc en fait qu'ils ont mis. C'est ce petit malin là. Ah, ça rapporte plus d'un coup en fait. Hein. Bien, c'est que là-bas j'ai l'impression que c'est un loup. Je suis pas certain que c'est ça, ça doit être un loup ça. Ne me dis pas qu'il y a Rémi qui m'a rejoint. MDR, attends, comment tu parles déjà?
MDR. Attends. Ah, trop fort, il m'a rejoint. Eh ben, dis donc. Mais lui, c'est un feignant, lui, de toute façon. Il va rien faire dans mon épisode, il va juste se balader, les mains dans les poches. Attends, je regarde un truc. Parce que lui, si je lui fais un sac de couchage, il va venir m'embêter. Non, de toute façon, on va voir. Donc ici, je vais tout simplement ramasser ça. Donc ça va toujours me servir. Voilà. Donc pourquoi je retourne d'un coup en arrière? C'est pas pour rien en fait. C'est tout simplement que j'ai envie de créer quelque chose d'assez sympa. On attend. C'est quoi que je devais faire? Donc j'ai du tissu, j'ai un petit peu de ressources, ah, j'ai pas assez de. Vous voyez, j'ai pas tant que ça en fait de trucs. Hein. Ah, je devais faire le four. Oui, le four, le four, le four. Le four, il est où? Voilà. Ah non, il me manque encore du bois. J'en ai pas assez. Il y a du carburant de qualité là. Carburant de qualité, comment tu le fais déjà? Je réfléchis parce que je me souviens plus. Carburant de faible qualité. Il en faut 50. Normalement, ça m'en rapporte 10 par 10, je crois. Ah non, même pas 4 par 4. En faisant un peu quand même. Un tout petit peu comme ça. Et là, je vais ramasser un peu de bois en attendant que ça se fasse. Ouais, comme ça, je commence déjà à taper le four. Et on pourra avoir déjà du métal. Voilà. Bah, ça peut être un avantage en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le petit souci, si on n'a pas ça, bah, on va être un petit peu embêté après pour pouvoir avoir l'évolution de la maison, quoi. En gros. Donc là, je vais ramasser beaucoup, beaucoup de bois. Bon, le bois, c'est le truc le plus facile à obtenir. Hein. Voilà. Donc, ma baraque, normalement, elle est censée être un petit peu là-bas. On la voit ou pas? Non, on la voit même pas, la maison. Si, on la voit quand même. Faut pas que je la fasse monter trop haut, finalement. Je crois que je vais faire un étage. Enfin, pour commencer, en fait. Je vais pas m'emballer sur deux. Sachant qu'il faut que je renforce tout ça après. Hein. Dès qu'on sera un peu plus, peut-être qu'on essaiera de voir en fait l'évolution. Je sais pas comment tu casses après les trucs. Je crois que tu peux pas les casser en fait. Ça qui est un peu dommage, c'est que tu peux plus casser après les fondations dès que tu as construit. Ça aurait été bien en fait de pouvoir après avoir une expansion de la maison et ce genre de petits trucs quoi. Encore un petit effort et je pense que ça va être bon. Nickel. Donc là, dommage qu'il n'y a pas de pierre ou ce genre de truc. Montre-moi rapidement le truc, j'en ai pas encore assez. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je pense qu'on va être bien. Ramasse le tissu body. Là, on va ramasser un peu la pierre. Non, ça, c'est le souffle. Donc. Donc ça, je peux pas. Voilà ma maison. Je pense que pour l'instant elle est bien sur un étage. Il est où le marteau en bois? On va mettre le marteau en bois à la place de ça. Ça, je vais le virer. Pour l'instant, je m'en fous en fait. Pour les refaire, c'est facile, c'est pas complexe. Hein. Voilà. Après, il faudrait que je me fasse un petit cadenas. Donc, on va commencer à renforcer tout ça. J'aurais pas assez, hein. Faudrait déjà y chercher encore beaucoup. Hein. Voilà. Ah, tu vois, ça y est, c'est fini. Ah, ça va super vite, c'est ça qui est chiant. Donc, il m'en reste combien? Il faut au moins 300 kilos, quoi, pour être bien. Bon, tant pis. Ah, merde, je pourrais pas faire le four parce que j'ai utilisé les dernières pierres. Oups. Ça, j'avais pas pensé à cette histoire. Il faut 200 pierres. Ah merde, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est pas grave, je reviens. Donc, ici, je pense pas que je vais avoir des pierres.
Non, 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 pas de bol, franchement. Là, 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 là. Ouais, ah, coup de bol. Tiens, tu vois, c'est juste à côté. Comme ça, on va faire le four immédiatement. J'aurais pas besoin d'aller trop loin. Allez, la pierre, on la détruit. Comment il est au courant, lui? Attends. Donc là, je vais essayer de faire ça. Bougez pas. Là, je pense qu'on aura suffisamment de pierre. Après, le métal, comme ça, je laisserai chauffer, on va dire, le four pour faire le métal. Il faut vraiment que je trouve comment faire les gisements, en fait. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, quoi. Mais vous voyez, pour faire les gisements, il faut chasser. Eh oui. Comme ça, t'as le matériel de haute qualité. Là-bas, il y a une pierre. Je pense que ça va être une pierre normale ou ça va être encore un truc de souffle. Et après, j'essaierai de développer plus tard, hein, un petit village juste ici. Dès que j'aurai plus de ressources, pour l'instant c'est pas le cas. Donc, le four, le four, le four. Je vais le mettre. Attends. Tu fais ça comme ça. Tu vas sélectionner le four. Ça dure 1 minute, ça va, j'ai de la chance. Donc le carburant d'haute qualité, c'est le truc qui va être épuisé. Ça, je pourrais me mettre le four. Ah, pardon, 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 je veux passer. Ça, je pense que je vais le mettre vers ici. Comme ça, on aura un steak. Après, je mettrai les fours à côté. Là, on va se mettre la fameuse viande pour la faire cuire, allumer. Comme ça, je pense qu'on va être, on va en avoir de la nourriture. En réserve, on sait jamais. Parce qu'après, ça devient varié, donc du coup, mieux vaut le prendre tout de suite. On attend le fameux four qui arrive dans pas longtemps. Ouais, je vous dis, ça va être vraiment l'épisode à la Spartiate. Hein. Ça va être beaucoup de chasse, beaucoup de trucs. Oh, oh, oh. Et encore, on est tranquille pour l'instant, mais dès que ça va s'agrandir, ça va être un peu la merde. Ouais, faudra que je m'amuse après à tout solidifier en bas. Ça va, pour l'instant, ça a l'air stable. J'espère, franchement, ça aurait été bien qu'ils gardent ça stable à 500 à chaque fois, quoi. Parce que là, leur problème à eux, c'est ils sont vraiment pressés de nous faire des trucs. Ça se mange. Voilà. Comme ça, on récupère un petit peu d'alimentation. Ça va pas nous faire de mal, je vous assure. Là, ça monte vite quand même, en fait. Hein. On n'a pas besoin de trop manger, en fait. Hein. Là, c'est bon, je pense, j'ai plus besoin de manger. Hein. Je vais garder le dernier, mais il n'y a plus besoin de manger, en fait. Hein. Le four est déjà prêt. Ça. En fait, il m'en faudra plusieurs des fours comme ça plus tard. Je vais plutôt le mettre là. Allumé. Donc là, on a un peu de bois. Je vais en mettre beaucoup plus. Là, il nous faudra le métal en question. Et on allume. Voilà, comme ça va bosser tranquillement. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il en faut beaucoup, beaucoup. Comme ça, vous êtes refait. Et après, ça va être plutôt sympa. Comme ça, je pourrais déjà faire le digicode. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je crois que j'ai encore assez de bois négatif. Moi, dis, t'as pas de bois. Ah là là, j'ai pas de bois. Bougez pas. En fait, c'est que ça m'a donné le confort. Éteindre. Voilà. Comme ça, le premier four, il bosse. Et moi, je vais tout simplement chercher encore un peu de pierre. Oh putain, c'est pas vrai. Ça, faut vraiment que je fasse quelque chose contre ces poteaux. Le marteau. J'ai même pas assez, j'ai rien en fait. Donc je vais ramasser un peu de bois ici. Ce qui est bien, c'est que je peux sortir en face de chez moi, j'ai du bois. Mais pas de la pierre. Pour moi, le plus dur dans le jeu, c'est la pierre et le métal. Et après, le reste, bah, c'est juste un peu de découpage quoi. Après, il faudra qu'on se fasse une table plus tard. Qu'on trouve des plans aussi. De construction, etc., etc. Donc là, c'est bon. Un
Après, il faudra se faire aussi des barrières de protection. C'est ça, en fait, avec ce jeu-là, faut aller dormir, en fait, dès que t'as déjà tout construit. Sinon, tu peux pas jouer, en fait. Parce que t'es sûr et certain que ta maison, elle saute au bout de 2 minutes, toi, en fait. Donc là, c'est bon. Dans pas longtemps, ça va se démolir. Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Je cherche, j'espère que je vais pas. Non, je fais ce qu'il veut de toute façon. Attends. Là, 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 là. Donc, je fais juste un truc. Je vais juste voir si le métal il est plutôt bien. Oh, c'est chiant. Ici, ça va vraiment m'embêter en fait. Non, c'est pas là. Là, pour pas se tromper aussi, hein. On a 14 de métal, je crois qu'il en faut 15 pour pouvoir faire le reste. Le digicode c'est 15, hein, c'est obligé. Mais c'est bien parce que t'as pas besoin de chercher du... Ah non, c'est 100. Oh les salopards! Oh les salopards, c'est 100. Ah bah dis donc, ça va nous en faire des fours. Hein. Donc, je vais voir si je peux pas faire l'autre four, par curiosité. Comme ça, je m'en fais deux directs. Hein. On s'embête pas comme ça, on a un double rendement en fait. Le deuxième four, j'ai du bois. Carburant de haute qualité, c'est de l'autre côté. Voilà, je pense que ça va être bon. Je vais chercher un truc dans mon coffre là. Ah, je crois que j'avais mis des trucs. Voilà, pas forcément beaucoup, mais un peu. Donc les os, je vais les remettre ici. Ça nous en fait un peu pas mal. Le tissu, je vais en mettre là en attendant. Autre tissu ici. Donc là j'avais pas assez, là je crois que j'avais pas mis les os, non, il manque, il faudra qu'on aille chasser, vous voyez c'est ça qui va nous poser un, ah il manque du tissu, oui c'est vrai, j'avais oublié que c'est le tissu aussi qui compte énormément dans le jeu, hop, donc espérons que ça mange, ça demande combien, à 3 graisses animales, ah c'est plus costaud en fait au niveau des graisses, on n'aura pas assez, on va être pile à la limite en fait, ah pour faire le deuxième four c'est un peu la merde, Eh bah, ouais, on en aura pas assez. Faudrait qu'on aille chasser. Allez, je vais chercher déjà de la pierre. Pour l'instant, je ferme pas mon bâtiment parce que ça sert à rien. Il y a personne et en même temps, on risque pas de se faire voler quoi que ce soit parce qu'il y a quasiment rien. Après, c'est ça qui est chiant, c'est comme toi, tu vas te faire chier à ramasser des ressources pour pouvoir vivre et survivre et t'as des mecs qui viennent à peine arriver dans le jeu, qui cassent tout et qui volent tout quoi. Qui est un peu dommage, mais bon, allez, monsieur, cassez-moi tout ça. Pas évident quand même, leur truc. Donc, la pierre. Non. Je sais même pas où il est le largage en fait. Donc le largage, je sais pas du tout où il est. Donc amusons-nous bien parce que maintenant faut aller chercher le reste. Oh les pierres. En fait, j'ai pas trop envie de m'égarer parce que le truc, je le connais à moitié en fait, cette carte là. La toute première qu'ils avaient fait, franchement, je la maîtrisais, mais alors le reste, au secours. Je sais pas si je peux faire un sac de couchage, c'est impossible de trouver. Bah oui, hein. Pourquoi j'écris en grand? Attends, je vais juste voir si je peux pas faire un sac de couchage. Si je peux en faire un. Bon, je lui en ferai un après. Donc, je te dis, il va en ramasser du bois. Donc là, on va tout simplement faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Eh, mais j'y arrive pas à trouver la pierre. Hein. Ah, si, un peu plus là-bas. De toute façon, la pierre, elle est un peu plus dans les profondeurs. Ah,
Donc là on a un peu de tissu, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai pas besoin en fait de me faire chier à capturer du tissu. Mais après c'est la graisse animale de toute façon qu'il en faut. Il n'y a pas de bestioles là dans les parages? Ah si, c'est quoi là-bas? Ouh là 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 là. C'est une chance sur deux que je décède. Ouais, ça va être une vraie chance sur deux. En plus, il y a beaucoup plus de matière, de graisse à se faire et tout, mais bon, il est quand même costaud. On va pas faire le fou. Lui, il faudra le chasser avec l'arme, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Je fais pas le con en fait, j'essaie de vraiment faire attention. Lui, par contre, je peux, tu vois. En plus, c'est super bien fait d'un côté parce que c'est le plus. C'est lui là en fait qui en a le moins quoi. T'en graisse animaux, on a combien? Ah, pas mal, 13. Donc là, je peux me faire les qualités de le carburant de haute qualité. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en fait un peu pas mal. Ça me fait de la bouffe au cas où j'ai besoin de nourrir du personnel. Alors maintenant. Donc les animaux se retrouvent à côté de ça. Ok, pas de soucis. Alors de mon côté, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais encore le chasser. Tiens, en plus on a un truc ici là, plutôt pas mal. Eh, c'est super bien fait quand même. Enfin, tu cours pas derrière ce genre de bestiole quoi. Ah, ce qu'au début commence à m'énerver en fait de courir derrière ça. Sachant qu'il était plus malin que toi, il allait tout le temps là où il fallait pas. C'est quoi la balle bug? Vous voyez comme on est obligé de s'éloigner quand même pour pouvoir aller récupérer des trucs. Donc là par contre celle-là c'est le paradis. Tu sais comment faire là. La carte. Je crois que c'est ça, hein, je suis pas certain. Bon, je vais casser ça. Avec ça en fait ça va être mieux. Alors montre-moi qu'est-ce qu'on a comme cadeau dedans. J'avais que ça. La 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 la. Encore un peu. Là en fait ce qui est bien, c'est que j'ai débloqué quoi? Quelques trucs. Je pense qu'ici je veux roder toute la base là. Parce qu'il n'y a que des conteneurs. En tout cas, je sais où elle est maintenant la base. Celui-là, je pense qu'on va avoir un super vent. Il n'y aura rien dedans. Non, ça va. Du chocolat. Je suis au régime. Ça, tu peux pas le ramasser, si? Arrête. Eh, c'est bien fait, en fait. Ils ont même mis des poubelles, maintenant. Eh, c'est bien fait. Donc, il y a des cartons, même ici, quoi. Au bord de la route, quoi. Ça, c'est une nouveauté, ça, en fait. Avant, ça n'existait pas. Un petit cassoulet. Tu vois, c'est ça qui me plaît, là. Regarde. Ce que je viens de débloquer. Les plans pour faire ça. Voilà. C'est ça qu'il me faudra, après. Le truc là, c'est où ça? Ça là, d'accord? Ah, et par contre ça c'est complexe à réaliser. C'est pour ça qu'en fait au début tu commences à poil et après tu progresses un peu plus. Est-ce que je peux le taper ou pas? C'est bien. Non. Encore un peu. Alors là il y a quoi? De toute façon tout ça je regarde après, je m'en fous en fait. Hein. Moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir tout de suite les meilleurs plans. Après les plombs aussi c'est selon la région dans laquelle vous déplacez, j'ai remarqué aussi. Hein. Explosif. Je sais pas trop quoi. Un carton. Boîte de conserve de cassoulet. Attends, je vais faire. Ouais. Ça c'est quoi ça? Des volets carrément. Je vais manger le chocolat d'abord. Ça me libère un peu de place, si vous voyez ce que je veux dire. Le cassoulet, c'est pareil. On va apprendre à faire le C4. Donc ça c'est la boîte que je m'en fous. Eh mais si c'est l'Eldorado ou quoi là? Je pense que ça doit tout contourner. Encore un peu. Ah mais là franchement c'est le paradis cette zone. Hein. Comme quoi qu'on a galéré au début, maintenant ça va. Bon, il restera plus qu'à renforcer la baraque après. Oh putain, trois trucs. Attends, il y avait un autre truc.
On va voir. Donc de l'eau. Comme ça me permettra d'avoir un peu. Allez, je bois tout, je m'en fous. Après, je pense qu'on peut se la recharger, la flotte. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Il nous reste pas beaucoup de place, par contre. J'ai repéré le bison, là, ou je sais pas quoi, là, qui était à côté, là, tout à l'heure, là, il y a 2 secondes. Non, il n'est pas là. Moi, je poursuis au niveau des caisses. Parce que c'est pas ce qui manque, en fait, ici, hein. Donc, soyons pas fous, profitons-en, hein. Encore un peu. D'accord. Moi, je sais que mon four il fonctionne, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. En plus, on a des pierres à côté, ça tombe bien, j'en ai besoin. Allez, encore casse un peu. Ah, je l'ai pas eu. Si c'est bon. Là-bas, c'est quoi là-bas qui bouge là-bas? On aurait dit. Moi, il me faut les plans en fait pour pouvoir créer les petits trucs là. Comment vous expliquer ça? Les antennes, tout ça. Donc, ça, c'est une torche. On aura peut-être besoin tout à l'heure. Je vais m'occuper encore des pierres. On va faire beaucoup d'aller-retour, hein. Allez, baisse-toi un peu. Après, je suis sûr qu'on va finir plein dans pas longtemps. Encore un peu. Parfait. Maintenant, j'ai quoi dans mon inventaire par curiosité? Tiens, j'ai débloqué ce truc-là. C'est plutôt pas mal. On va s'habiller rapidement. J'ai que ça en fait à mettre sur moi pour l'instant. Ouais. Que ça. Ok. Donc voilà les amis, je pense qu'on va se laisser là pour l'instant et on se retrouve pour la suite dans pas longtemps. D'accord? À tout à l'heure.